qu'un certain nombre de gens repèrent, remarquent, regardent, apprécient, consacrent, estiment, ignorent, assassinent ou piétinent. Je suis un Walkman ou un MP3 sans baladeur préalable. Je suis une cigale et une fourmi. Je suis un vent aux absences quelquefois répétées. Je suis une armure qui n'en souffre plus, ou presque plus. Je suis un volcan en éruption, qui n'ose toujours cracher à sa fantaisie. Je suis Eugène de Rastignac, Léo Polkowski, Jérôme Fabre, Don Quichotte sans barbe. Je suis aussi à mes moments perdus, qui l'eût cru, du lundi au vendredi, quand je ne chante pas pour que je chante autrement, le facteur d'un certain quartier dans une certaine ville. Et quand je distribue les courriers, je suis amené à m'arrêter devant certaines portes où il y a 6, 7, 8 boîtes aux lettres. Et mes talons s'immobilisent sur des espèces de tacs carrés devant les seuils des portes. Ces tacs ne sont pas toujours très solides. On m'a raconté qu'un jour un collègue était carrément tombé dans les profondeurs. Depuis ce jour, j'ai la trouille. Les tacs de la chaussée où je passe se sont donnés le mot, je suis à bout de force. En accord avec les pavés voisins, elle s'amuse à faire sonner le tocsin. Même les pierres des seuils qui les escortent sont de mèche avec elle, ainsi que leur porte. Comme des termites, comme des chacals, des pieuvres ou des belzébuts en cavale, par une suspension relative, jamais au grand, jamais elle ne se prive de me harponner, de me sacrer par derrière et de jouer au ping-pong avec mes nerfs. Ses furies, ses mégères, jamais en reste, me dragueraient-elles en m'infligeant leur test? Comptent-elles m'expédier à toute vapeur vers les lames ou vers d'autres profondeurs? Là où un cyclope ou Cassiopée déciderait de mon sort à tout jamais. Je bosse, ce sont eux.